Salut à tous, c'est Soufi et Bart, et nous voici de retour pour une nouvelle session vidéo sur Guitar Hero. Exactement, sur Guitar Hero 5, qui est la suite de Guitar Hero 4, qui est World Tour. Quoique, il me semble qu'il y a le Guitar Hero Metallica qui est entre les deux, mais je suis pas sûr. Il est sorti le 11 septembre 2009. Le 11 septembre, ça rappelle de mauvais souvenirs à certains. Très mauvais souvenirs, mais bon, cela ne nous regarde pas. Ouais, c'est pas notre affaire. On va pas s'étaler dessus, c'est pas notre rôle. On se retrouve pour un deuxième épisode de Guitar Hero. J'espère que le premier vous a plu. Celui-là est globalement similaire, même s'il y a quelques différences. Ah bah tout à fait. En fait, ce Guitar Hero voilà, reprend les bases de son aîné en ajoutant quelques... en peaufinant tout plein de détails pour le rendre... On vous expliquera ça plus en détail. Plus en maturité, quoi. Maturité. Maturité. Il est plus complet, on verra ça. Il est plus complet, tout à fait. Donc c'est toujours... Enfin, c'est édité par Activision et développé par Neversoft. D'ailleurs, on verra qu'ils ont quelques morceaux à leur Toujours. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va expliquer brièvement, très rapidement, les menus. Ah, pourquoi pas. Hein. Donc, le mode entraînement qui est là depuis Guitar Hero 3, tout à fait, qui nous permet donc de nous entraîner sur nos titres favoris qui nous posent problème, tout en pouvant régler le tempo de la musique plus lentement pour s'habituer aux notes, en quelque sorte. Ok. Donc, voilà. Mode compétition qui nous permet de nous affronter. Plusieurs, donc un peu même principe que sur Guitar Hero World Tour. Partie rapide, toujours pour nous amuser entre amis. Directement, entre amis ou alors directement tout seul, devant sa télé, forever alone. mode carrière qui nous permet toujours de propulser son petit groupe de rock de au sommet de la. Je sais pas comment dire, de la célébrité en quelque sorte. Sur le devant de la scène, sur les feux de la rampe. Exactement, tu trouves bien pour les termes qu'il plein faut. Plein de filles, plein d'argent. Ouais. Des groupies, plein de groupies, qui nous balancent des strings. la boutique de Zik qui nous permet de télécharger des DLC. Engeance du démon! DLC égale placard. C'est très mal, ne téléchargez pas de DLC, c'est pour votre santé. Ah merde! C'est ce que j'ai fait. T'es con, t'es un pigeon, t'es un gros pigeon. C'est ça. Alors, le Guitar Hero Studio qui nous permet, comme toujours, de créer nos propres morceaux pour pouvoir y jouer ou pour pouvoir en faire profiter nos amis. On vous l'a un peu montré dans le précédent, voilà. On va voir le tour. Et les options pour pouvoir jouer en paramètre gaucher ou autre, après tout. Chacun sa tare, je veux pas dire. Classement mondial des joueurs de Guitar Hero. Oui, classement mondial. Créateur de Rockstar. C'est là qu'on se rend compte que nous sommes un tout petit vermisseau au milieu d'une grande piscine de requins. Exactement, il y en a des millions. Ouais. Et le créateur de Rockstar pour créer notre avatar. Ton personnage. Le personnage que nous voulons incarner. Tout à fait. Pour pouvoir jouer le rock'n'roll. Et sinon, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On vous a tout dit, on va directement tout à fait. Faire une partie rapide. Partie rapide, donc on continue sur le même principe. On fait combien de morceaux chacun du coup? Alors toi, je te propose que tu en fasses deux. Deux. C'est toi le joueur du Guitar Hero. Et moi, je vais en faire un petit à la fin. Je vais essayer de bien me démerder, on va dire. Ok, d'accord. Du coup. On montre rapidement les morceaux un peu phares, un peu importants, plus ou moins connus. Ça marche. Donc, Iron Maiden, ouais. Bob Dylan, Wolf Mother, j'aime beaucoup ce groupe. Ultimate World, White Stripes, évidemment. Smash and Pumpkins. Smash Pegitris. Neversoft, qui est le développeur du jeu, qui s'est. Qui a fait des musiques pour le jeu. Qui a fait plusieurs musiques pour le jeu, spécifiquement pour le jeu. Ouais. C'est sympathique. Children of Bodom. Le groupe de métal. Le groupe de ma période lycée. Je l'ai beaucoup écouté de ma période lycée. C'est un bon groupe. Join me. Are You Dead Yet aussi. Gorillaz. David Bowie également. C'est pas mal, franchement. Bah, la plus connue de Gorillaz. Ouais. God Save the Queen, version Guitar Hero. God Save the Queen, donc... L'hymne national anglais. D'accord. Pour le plaisir des oreilles. Donc, quand vous voyez une croix là à droite sur le micro, c'est qu'il n'y a pas de chant dans ce jeu. Et vous voyez aussi la difficulté propre à chaque instrument. Là, pour ce morceau-là, vous voyez que c'est le chant qui est le plus difficile. Il a 4 bars par exemple. Voilà. Là, c'est la batterie. Batterie, guitare, machin. Exactement. Sonic Youth, évidemment. Ouais. Perfect Second. Three Doors Down, ça c'est difficile à dire. C'est ta préférée ? Non, après c'est ma préférée du jeu en fait. Donc je pense que tu vas la faire quand même, tu vas y jouer. Je vais la faire également. Évidemment, le pendant français de l'hymne national. La Marseillaise version rock. Guitar Hero. Ouais. Qui est très difficile à faire d'ailleurs. D'accord. Je crois que j'ai pas réussi encore. Contenu téléchargeable ? Ouais, c'est un contenu téléchargeable gratuit qu'on peut télécharger sur le PSN. D'accord, je pensais que tu l'avais acheté comme un pigeon que t'avais fait. Ah non, DLC. Non, je l'ai pas acheté celle-là, quand même. D'accord. Non, c'est la Marseillaise, merde. C'est quoi, c'est pas du rock ça. Donc Nirvana, évidemment, Lithium.
une de leurs meilleures. I'm so happy, Iggy Pop, Queen of the Stone Age. J'aime bien Queen of the Stone Age, c'est un bon groupe. J'aime bien, ouais. Affy, Never Stop, toujours. Encore Never Stop. Kaiser Chef, évidemment. Très bon groupe. Santana, ouais. Santana, oui, Santana. Oh oui, oh ouais. Ça va, t'as... Grave Age. Change ton jean, là. Ouais, un petit Muse pour toi, je pense. Ah, je dirais que c'est une de mes préférées, peut-être ma préférée de Muse, quoi. My plug-in baby. Je suis un peu tombé amoureux de ce, de ce groupe et de cette musique. Blink 182, mon petit rock de punk californien, bah non, punk tout simplement. J'écoutais beaucoup au collège les groupes comme Blink, Linkin Park. Ouais, ouais. C'était classe. Kiss, évidemment. Ouais. Qui vont passer au Hellfest cette année, ouais. Comme l'an précédent. Hein. Mes parents aiment beaucoup Kiss. J'aime beaucoup moi aussi. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, leur plus connu. D'ailleurs, ils ont été dégoûtés de la terre parce que c'est au final, c'est devenu une marque de limonade. Ah ouais. Ouais. The Police, Blur, Sing To. Exactement. Sur la Counters, encore Neversoft. Sinon, il y a les petites infos à droite. Straits. Oui, j'aime beaucoup Sultans of Swing. C'est leur plus connu, si je dirais. Sultans of Swing, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Stevie Wonder, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, donc tu voulais dire les infos à droite. Ouais, on a la durée de chaque morceau à droite et la date de publication, enfin de. Tout à fait. Quand est sortie la musique. Bowie. Et les étoiles, c'est un peu ton niveau par rapport à chaque musique. Queen and David Bowie Under Pressure. C'est un beau duo. C'est un magnifique duo qui ont fait seulement en studio mais pas en live parce que à cause de la mort tragique de Freddie Mercury. Malheureusement. Paix à son âme, hein. grand homme. Le grand musicien. Avec une belle paire de couilles. Ça va, ça je fais pas dans. Igas of Death Metal qui m'était présenté par une prof d'anglais d'ailleurs. Ouais. Excellent. Une prof d'anglais qui écoute du métal. Ah oui, non, mais ça n'existe pas, si, voyons. Si, ah si, si, c'était une prof d'anglais complètement psychopathe, hein, mais vraiment génial. D'accord. Deep Purple, on ne présente pas. Bon Jovi, et Direct Truc. Bon, on s'en fout, à vrai dire. Ouais, c'est ça. Donc. Bon, moi j'ai choisi mon morceau, toi, je pense que aussi. Moi j'ai choisi mes morceaux, je sais pas si tu veux en faire plus, à vrai dire. Alors le deuxième, c'est quoi que tu as choisi? Parce que je sais que le premier, c'est Kaiser. Non, c'est Kryptonite de Three Doors Down. Donc là, je vais ajouter à ma liste. Ah, ta comment playlist pour, oui, je crée une liste. C'est pas jaune, non Chris Sélection, voilà, c'est ça. Tac, Kryptonite. Et ensuite, je voulais faire quoi déjà? Au choix. Merde, j'avais une idée, derrière la tête. C'est à moi, hein, playlist, voilà, baby, tu touches pas, c'est ma musique. Non, t'inquiète pas, je te la laisse. Je voulais faire Blur Sing To. Ok. Bah voilà, quoi, c'est comme ça, pas de la faire. Ouais. Je crois que je l'ai passé. Ah, c'est. Sing To. Ouais, ok, bah nickel. Nickel. J'aime beaucoup cette musique, c'est sympa, ça. Bon, écoutez, comme là je suis. Et tu m'as oublié. Plug-in Baby après. Ah, pardon, excuse-moi, Plug-in Baby. Oui, oui. D'accord, je pensais que tu voulais le faire après. Pas déconner. Bah écoutez, comme moi je suis pas un PD, je vais le faire en expert. Parce que là c'est un terrain que je connais, donc je pense pouvoir gérer. Écoute, si tu penses que tu peux gérer, y a pas de problème. Je pense que je peux gérer. Si je ne gère pas, de toute façon, vous avez le droit de me huer. Jeter des tomates virtuelles. C'est des tomates virtuelles, hein, pas de soucis. Je m'occuperai de lui, je lui pèterai la gueule pour vous. Vous m'enverrez un message, voilà. Ah, petite bite, tu y arriveras jamais. Ah ouais, alors, c'est ce qu'on verra. Donc, toi, c'était Plug-in Baby, Crucify My Enemies, tout à fait. Alors, dans le jeu, il n'y a aucun ajout, aucun nouvel instrument, c'est tout le temps les mêmes. Non, toujours les mêmes. Toujours. Et start. C'est parti. Bon, par contre, comme t'es un expert, je suppose que tu vas pas trop me répondre, tu vas être un peu dans ton monde. J'ai pas changé la difficulté. C'est-à-dire difficulté, expert, novice. Ah oui, pas difficile, oui. C'était bien aussi, mais bon. Non, mais là, j'ai envie de m'amuser de montrer mon skill de presque PG. Surtout que là, il y a plus aucun décalage. Merde, attends, est-ce qu'on est là où je veux aller? C'est-à-dire? Non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Non, c'est pas l'arène que je veux en fait. Oh l'autre, oui, il veut sa propre arène et tout. Attends, on va faire une petite coupure, je pense, plutôt, quoi, pour leur. Ok, y'a pas de soucis. Ah oui, plug it, baby. Oh yeah. Come on. Putain, elle était longue. Ah non, c'est le total qui durait 9 minutes. Ouais. Donc, bon, alors, c'est parti. T'as pris quelle arène, là? Là, j'ai pris Fjord of Sword. D'accord. Difficulté expert, nickel. Est-ce que c'est une arène qui existe en vrai ou pas? Non, pas du tout, c'est vraiment juste pour avoir un petit côté nordique. Okay. Bon, je te laisse te concentrer, je sais que c'est chaud pour toi là, t'es un expert. Oula, 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 il y a un petit peu. T'es dans le rouge. What the fuck? J'avais pas de son en fait. Est-ce que tu peux augmenter un peu le. T'en penses, j'ai pas diminué le son. Bizarre. Ouais. Bon, allez, je me concentre.
Promis, c'est, je me contente. Allez, on commence. T'as aucun truc qui sort de ton... Comment ça sent là ? C'est parti. Alors, Sword of Sword. Concentrafile. Sword of Sword, pour une petite ambiance viking. La concentration est à son comble. Nous ne pouvons pas beaucoup parler. J'ai pas envie de le déconcentrer non plus. Si, vas-y. Ok. Je gère. Alors, le multiplicateur à nouveau qui augmente à droite, vous voyez, la fois 4. Le score, enfin, ça a été un peu changé graphiquement. Il y a eu des petites modifications. Vous voyez en bas à droite, le score qui augmente, encore une fois. La barre de chargement du score. Putain, elle a l'air vraiment, vraiment balèze cette musique, quoi. J'espère que tu vas t'en sortir. Ah, pour l'instant, je suis dans le vert. Hein. Ouais. Avec Matthew Bellamy qui chante, je suppose que vous l'avez reconnu, le chanteur de Muse, qui est tout de rouge vêtu avec sa veste. C'est un monsieur de talent. Bon, ça va, t'es dans ton trip là. Tu peux pas me répondre, non, t'es dans... Ici. Tu verras, lors du montage, c'est vraiment une super musique. Ouais. De toute façon, je pense que je vais leur laisser écouter un petit peu. Hein. Ouais, d'ailleurs, je vais me taire, je vais vous laisser écouter un peu la musique. Tu me dis quand il y a le refrain. Wouh ! Tu me dis quand il y a le refrain. Hein. Oh yeah ! Ouais, c'était le refrain en fait. Là. Ok. Je sais pas quoi dire, ça représente quoi en bas à droite, l'étoile bleue. Hein. Merde. C'est quoi ? L'étoile numéro 2 là. C'est mon score actuel sur la chanson. Okay. Bon, ça va de 0 à 5. D'accord. Ça va, tu tiens un rythme là ? Nickel. Putain. Ah ouais, mais tu la connais par cœur. Ouais, c'est ma préférée du jeu, donc du coup, j'arrête pas de la faire. Bon, il y a du talent là, je veux pas dire, mais pour en rater aucune comme ça, c'est... Ça sent le vécu. Pour que j'arrive à ce niveau, je crois qu'il y a... Il y a un temps. Hein. Je vois pas quoi rajouter d'autre, hein. Vous connaissez déjà le principe, là c'est une touche sur laquelle tu dois rester appuyé évidemment. Ouais. Pour augmenter ton donc score. Là, je suis en train de jouer sur le trémolo. Du... Ok. Ça part très beau. C'est assez chiant, j'entends rien de la musique. Je sais pas du tout si t'arrives à la fin ou pas. Non, là je suis environ au milieu. Ok. Merde. Donc, vous voyez en bas à droite qu'il est dans le vert, c'est-à-dire que pour l'instant il est PG mise. Hein. C'est un très bon joueur. Le morceau. Donc... En même temps, c'est pas une chanson qui est très difficile. Bah, t'es quand même un expert, je te le rappelle. J'adore cette chanson. Le multiplicateur qui est à 4, qui peut passer à 8 quand tu seras en super ouais. Star. Non là, star je pense qu'il y a fin. Encore un petit solo. Et le public est en délire, et oui. Le public est en délire, et nous qui nous balance des strings sur la tête, ça, c'est génial. Exactement, collection de strings sur la scène. Par contre, j'ai l'impression que le public est moins pixelisé que dans le précédent, que dans World Tour. Ouais, ils ont amélioré le public quand même. De toute façon, on pouvait difficilement faire pire. Ça ressemble plus à des bouillies de pixels. Ma note finale, non. Ça va, t'as dépassé les 100 000, c'est adorable. En expert. Ah, mais attends, c'est ma chanson préférée. On va voir ton score. Je dis que tu en es 92%. Je pense que j'ai fait un peu plus de 80, mais pas plus. Oh, allez, 85. Ouais. Non, pardon, parce que je suis finalement qu'à 3 étoiles sur 5. Ah non, 88. Tu vois, tu te sous-estimes. 70 qui est ta suite de notes maximale, ah ouais. 88% réussi. Last Action Heroes. Ouais. Ce groupe me rappelle quelque c'est chose. C'est mon groupe. Enfin, mon ancien groupe qui est devenu maintenant les Flashy Entrance, un groupe de métal. Non, je voulais regarder le top score. Ah, c'est pas bon, excuse-moi. C'est pas grave, on le fera. Bon, on enchaîne sur Blur, Song 2. Et une des plus connues du rock. Hein. Je sais pas où t'en es à chaque fois. Donc. Si tu veux la fredonner, vas-y pour... Ah, tu me fais les instruments avec. Ouais,
toujours avec le fameux bruit du médiator que vous pouvez entendre, qui est très très chiant. Vous devez vous le prendre en pleine gueule, quoi. Tu t'es chié, là. Maya Jumbo Jet. C'est ça. C'est Matthew Bellamy qui chante sur du Blur, quoi. C'est assez inédit. Si tu veux rajouter des trucs, si tu veux rajouter des trucs sur le jeu, n'hésite pas, à des compléments, parce que là, bah, je vois pas quoi dire. Il est vachement prenant. Ouais. Il est quand même plus complet que le précédent, que World Tour, hein. Plus complet, plus addictif. La playlist est meilleure, je trouve, généralement. On s'amuse plus. Et voilà, c'est vraiment le fait que les gens puissent rejoindre en cours de route le morceau et le quitter quand ils le veulent. Ouais, c'est vraiment convivial en fait comme jeu. C'est vraiment pour moi le Guitar Hero par excellence. Après, il a reçu des critiques assez sévères, je trouve. C'est sûr. Je crois qu'il avait été noté, notamment sur une vidéo. Bah, par la presse, ouais, mais par les joueurs, il a été sévèrement sanctionné. Ouais. Mais bon, pour moi, il reste vraiment le Guitar Hero par excellence. Ouais. Même si certains préféreront le Bolto. Alors, il y a 85 morceaux, je sais pas si on l'a dit, je le répète. Mais... Bien joué, bravo. Yay. Tu déchires, regarde, il va dire. Attention, attention. Ouais, tu déchires. Non, c'est et quand tu rates, il te dit quoi? 90%! Wow, bravo! Par contre, seulement 49%. Et quand tu rates, tu te dis quoi? Tu pues? Non, ils font bah rien du tout. T'es une merde, ils jettent des tomates. Dégage quoi. Ok, 3. Oh, c'est jusqu'à 5 le maximum, ça, 5 étoiles. Bon, là j'ai pas géré parce que j'ai pas maintenu un multiplicateur de score. T'as pas géré, t'es en expert quand même, hein, je veux pas dire. Bah, ouais, ça va finalement en fait. Okay, essaye de montrer un peu le top score. C'est une chanson qui est un peu. Ouais, qui est assez courte au final. Donc là, j'ai réussi à. J'ai un multiplicateur moyen de 1,5. Ouais. Bah sur maximum de 4, c'est pas terrible, ouais. Faut le dire. Top score. Non, top score. C'est le score des meilleurs joueurs en Mew, Pokémon, qui est dans le top score. Ah, Mew, ouais, il y a Mew également. Mais d'ailleurs, moi, au final, je suis pas très loin du meilleur score. Hein. T'étais à combien là? Attends. T'es... Ah non, mais c'est pas moi ça. Quoi? C'est toi? C'est pas moi, si, c'est pour ça. Ok. Ok, bah star. Bah t'as le meilleur score là en gros. Bah ça m'étonne, mais pourquoi pas. Bah oui, sois content de toi, affirme-toi, tu es un bon joueur, voilà, faut le dire. Mais non, mais je comprends pas. Parce que je veux dire, ouais, on a 85 morceaux à la base et toi t'en as 97, puisque t'as eu du contenu téléchargeable. Ouais, ça, bon bah juste deux hymnes nationaux en téléchargement gratuit, hein. Bah je voulais juste voir ce que ça donnait. Mais ouais, au final c'est plutôt sympa. Oui, bah t'as plusieurs hymnes nationaux, il me semble. T'as fait plus de stats pour montrer ou pas? Oh. Je vois pas ce qu'il y a dedans. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, je vais faire la musique, allez. Allez, à toi. Mon petit plugin, baby. Par contre, je vais te modifier la difficulté, hein, si tu le permets. Ouais. Tu mets un quoi, un facile? Ouais, facile. Faut pas déconner, je suis pas un. Normal. plus de 2 ans que j'ai pas joué à Guitar Hero, quoi. Alors, je te passe la guitare. You. Et le casque. Et je te passe le casque. Alors, je compte sur toi pour ajouter des petits compléments, si tu veux, ouais. Parce que j'ai pas beaucoup parlé, en fait. Moi. Alors, par contre, oui, j'ai oublié attends, de te dire. Je vais avancer parce que tu m'as pas. J'ai oublié de te dire, c'est qu'en fait. Les touches qui sont à des mitres transparentes, en fait, tu n'as pas besoin d'appuyer sur le médiator. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, oui, bah tu peux, mais moi, bon, c'est pas obligatoire. En fait, tu appuies directement sur la touche. Non, je vais la recommencer. Start. Si tu fais en bas, on reprend. On recommence. Et après, vert. Oui, vert. Okay, parce que vert en bas et recommencer. Nickel. C'est parti. Bon, je te laisse te faire des compléments parce que j'ai pas beaucoup parlé. Pour oui, je savais pas trop quoi dire, c'est tout le temps la même chose. Attention, rock'n'roll, Bart est aux commandes, Bart est à la guitare, oh. Oui! Il recommence, oh oui! Pardon. Qu'est-ce que je peux dire vraiment? Parce que. Bah écoutez, cette intro qui est géniale. C'est vraiment du Muse par excellence, même si moi je suis pas spécialement de fan de Muse. Tu devrais, c'est pas bien. C'est une intro qui, pour moi, envoie du pâté. Du gros gruyère râpé. Oui, bah je préfère du pâté, hein. C'est vraiment une excellente intro, ils ont vraiment géré. Donc vraiment respect à eux. Donc alors, que dire pendant que notre cher Bart est aux commandes? Bah tout d'abord. Ce que tu veux, je t'en prie. Tout d'abord, je sais pas si vous l'avez dit, c'est que l'affichage de ce Guitar Hero a été remanié. Donc là, fini tous les potentiomètres, tous les affichages un peu partout sur l'écran.
Là, tout a été recoupé sur le manche de guitare que vous voyez au milieu. Donc, comme par exemple la barre d'appréciation du public, qui est vert, jaune, rouge en fonction de performance. Hein. Là, vous voyez que ça a été remanié pour être directement inclus sur la barre à gauche des notes. Là, notre cher ami dans le vert, donc c'est plutôt pas mal. Également, le multiplicateur est maintenant sur la droite. Donc là, il est en x4 avec une demi-barre de Star Power, ce qui est plutôt pas mal. Il y a une pleine. Ah non, une demi. Une 3/4 pleine, pas mal. Désolé, encore une fois, je me concentre. Tu t'es déconcentré là. Ouais. J'arrive pas à te dire, dès que je parle, je fais de la merde. Pas de soucis, vas-y. Hein. Mais bon, c'est pas mal. Il se rattrape, il est déjà à 4 hein, avec 3/4 de Star Power. Et nickel. 3 étoiles, 50 notes à la suite. Ça continue à ce rythme. Il va atteindre les 100. Hein. Donc là, maintenant, il est à 100% de Star Power. Je te l'active ou pas? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Tu fais reprendre, quoi. Oh, fais chier. Franchement, je la recommencerai bien parce que je l'ai foiré, quoi. Non, elle est bien. J'ai envie de la refaire, désolé. Non, mais... c'est bon. Tu gères. Je voulais faire un perfect. Oh, putain, mais tu peux quasiment pas faire de perfect là-dedans. Tu paries? Ouais. Donc pour activer, je fais comment? Je te le fais si tu veux. Vas-y. Attends, pas encore. Après. Là, ici. Elle est vraiment excellente celle-là. Une de mes préférées, si ce n'est la préférée de Mew. Ah, mais moi, c'est ma préférée, hein, d'accord. Moi aussi. Je suis pas un grand fan de Mew, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Elle te transporte, elle transcende, voilà, tout, elle, voilà, elle transporte, elle, pas elle, mon score aussi parce que je fais de la merde quand je parle. Attends, non, tu suis presque à 5 étoiles là, mec. C'est maximum qu'on peut atteindre. Et voilà, 5 étoiles. Bravo, 5 mais étoiles. Mais merde, me déconcentre pas. Arrête-toi, allez, stop. Ah, nickel, hein, nickel, bar, nickel. Attention, je t'active le Star Power. Fais pas gaffe à moi. Ouais. Bon, ça va, je me suis bien. J'ai un peu chié, mais bon. Mec, t'es à 5 étoiles. Ouais, mais je suis en facile. T'es à 5 étoiles quand même. Je suis en facile. T'es à 5 étoiles avec un multiplicateur de 4. 69. C'est 69, comment ça? Ouais, mes touches d'affilée. Quoi? Petit bon. Pervers, 97% de ouais, bon, je suis pas content, je la referais bien. Et bon. Tu t'es chié? Tu me dis que tu t'es chié, mais tu. Oh, j'ai fait quelques conneries à certains moments quand je parlais. Tu te fous de ma gueule? Non, mais tu te fous de ma gueule. Ça méritait la perfection. Ah, genre. Bon, c'est pas trop mal, je suis content de moi. Est-ce que tu voudrais rajouter un truc sur ce jeu ou pas? Est-ce qu'il t'a marqué? Est-ce que c'est ton préféré de la série? On va dire que vu que c'est le premier auquel j'ai joué, vraiment. Il t'a marqué, tu es nostalgique. C'est mon premier, voilà, c'est mon premier Guitar Hero, je pense que c'est celui qui a une plus grande valeur sentimentale. Ouais. Donc c'est mon préféré. En plus, il a vraiment une scène mémorable qui est Fjord of Sword. C'est vraiment la scène. À la quoi de particulier cette scène? Bah, c'est juste que ça se passe bah, dans un pays scandinave, donc du coup t'as une ambiance viking, etc. Ouais. C'est super classe. Les autres sont sympas, mais je trouve qu'elles manquent d'un peu d'âme. Si tu le dis. Ah, bref, voilà. En tout cas, ouais, la playlist est vraiment cool. Voilà, très complète. C'est pour ça également qu'il y a beaucoup de bons titres. Bah, de toute façon, tu écouteras à l'enregistrement. Ouais. Montage, de toute façon, je leur laisserai un petit peu les musiques, hein, ouais, t'as raison. Pour leur faire écouter un peu tout ça. Bon, on va finir en beauté sur du Smell Like Teen Spirit. Allez, vas-y, bon mot du rêve. Et on va vous faire écouter un petit peu et on va se laisser là, je pense. Je vous rappelle que moi je n'ai pas du tout la musique, hein. C'est Bart qui a un casque sur la tête, donc moi je ne fais que deviner où est-ce qu'il en est. Ah, cette musique. Pour l'anecdote, hein, Smell Like Teen Spirit, au final, c'est devenu une marque de limonade. Je savais pas ça.
Et également, c'est une chanson que ne voulait plus faire Kurt Cobain et son groupe Nirvana parce que tout le monde leur demandait ça et également ça avait rapport avec cette marque donc. Ok, bah, tu nous apprends, c'est bien, moi j'étais pas du tout au courant. Ils ont été dégoûtés de cette chanson en quelque sorte. Un peu comme Motorhead, je crois, ou Machina, je sais plus trop, qui a été dégoûté de Creed. Enfin bref. Petit historique du rock, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Et ceux qui connaissent pourront m'appuyer ou me contredire. Hein. Au contraire, je suis ouvert à toute critique. Désolé, je suis à fond dans mon truc. When the lights out, it's just dangerous. Exactement. Attendez, ouais. Yeah. Malabedo. Je me suis chié. Bon, on va s'arrêter là, écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va mettre stop, hein, je sais pas comment on fait, voilà. Hop. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être la dernière de Guitar Hero, c'est lequel? C'est le Warriors of Rock? Non, celui-là c'était Guitar Hero 5. Oui, je sais, mais la prochaine qu'on va faire. La prochaine, ouais, également, c'est Warriors of Rock, mon dernier. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao, bonsoir. Salut. And keep rock and roll!